et joie à toi, bien-aimé de Dieu. Paix et joie dans ton cœur, paix et joie de là où tu te trouves. Paix et joie à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges, avec tous les saints et les saintes du ciel, en particulier les âmes du purgatoire. En ce matin encore, éternel Dieu, éternel Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu donnes à tout un chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que nos yeux voient, de ce que nous pouvons respirer, de ce que nous pouvons entendre, de ce que nous pouvons parler, de ce que nos mains peuvent toucher, de ce que nos pieds peuvent marcher. Nous te disons merci, parce que ce n'est que par pure grâce et par miséricorde et compassion de nos misérables âmes, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, également pour nos foyers, pour nos familles, pour nos différentes nations, Seigneur. Nous te disons merci, merci de ce que ta main est posée sur tout un chacun de nos seigneurs en ce matin. Et en ce matin, j'ai envie de fortifier la foi de quelqu'un, de fortifier la foi d'une âme qui est meurtrie, la foi d'une âme qui est dans le doute, la foi d'une âme qui a peur, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait vraiment pas où aller, ni à qui se confier, qui ne sait pas où donner de la tête. Et en ce matin, j'ai tout simplement envie de te dire, l'Éternel Dieu des armées vient te consoler, il vient t'apporter sa consolation. Là où ton cœur et ton âme étaient meurtris, il vient apaiser, il vient guérir cette âme-là, il vient guérir ce cœur-là qui coulait sous le poids des injures, qui coulait sous le poids du mépris des hommes, qui coulait sur le poids du rejet humain. Et ce Dieu-là vient te dire, mon enfant, laisse-moi guérir ton cœur, laisse-moi guérir ton âme blessée, laisse-moi guérir ton foyer qui est blessé, laisse-moi guérir ta famille qui est blessée, laisse-moi guérir ton enfant qui est blessé, ton enfant qui est perdu. Moi, je suis le Dieu qui vient te consoler et en ce matin, ma faveur t'est donnée, alors laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Et comme cette femme à la perte de sang dit à Dieu tout simplement, Seigneur, je veux tout simplement te toucher pour être guérie. Je veux tout simplement te toucher pour être soulagée. Soulagée de mes peines, soulagée de tout ce qui m'empêche véritablement de pouvoir être dans cette intimité profonde avec toi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, touche-moi, soulage-moi, Seigneur. Bien-aimé, il vient ce matin pour te consoler. Il vient ce matin pour te soulager de tous les poids,
sous lesquels tu croules. Il vient ce matin pour soulager ta famille. Il vient ce matin pour soulager ton foyer. Parce qu'il dit, j'entends, je t'entends crier, je t'entends soupirer vers moi. Alors laisse-moi te soulager, laisse-moi te consoler. À part lui, tu ne verras personne. Tu ne verras personne. Alors laisse Dieu te consoler en ce matin. Laisse Dieu te prendre dans ses bras et t'apporter ce réconfort dont tu as besoin. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas aller. Dieu est là. Dieu est là. Lui seul peut te donner cette consolation. Lui seul peut guérir ton cœur. Lui seul peut guérir ton foyer. Lui seul peut guérir nos différentes nations qui sont en train de s'entre-déchirer. Lui seul peut apporter cette paix. Lui seul peut donner de sa miséricorde. Lui seul peut avoir la vraie compassion pour nos misérables âmes. Lui seul peut soulager. Son nom c'est Jésus, il vient pour te consoler. Son nom c'est sa paix. Il vient te combler de son amour. Il vient remplir tous les vases vides de ton cœur, de ton âme. Il vient remplir tous les vases vides qui jusque-là encore étaient loin de lui, étaient loin de ce qu'il est. Il vient remplir, remplir, remplir jusque au point que cela soit débordant. Que ce soit débordant, débordant de lui, débordant de ses consolations, débordant de réconfort, débordant d'amour, débordant de paix, débordant de joie pour toi. Alors, sois disposé et disponible à recevoir cela, car sa faveur t'est donnée en ce matin. Sa faveur t'est donnée en ce matin. Alors, sois disposé à recevoir cela. Sois disponible également à recevoir, mais également à pouvoir donner autour de toi. Sois disposé et disponible. Merci Seigneur. Et je te prie encore en ce matin, Seigneur, de soulager davantage nos familles, de soulager davantage nos foyers, de soulager davantage nos nations, Seigneur. Nos différentes nations, tu les vois, tu les connais. Regarde le sang innocent. Regarde le sang innocent versé qui crie justice. Alors Seigneur, viens réparer. Viens réparer ces torts qui ont été causés par la main humaine, par la méchanceté de l'homme. Viens réparer en y donnant ta paix. Ta paix, ta paix, ta paix à toi. Console ces cœurs. Console ces nations, Seigneur. Console en réparant. Console en donnant ta paix. Console ces familles en donnant ta paix. Console nos communautés en donnant ta paix, Seigneur. Ta paix à toi et rien que ta paix. Et c'est dans cet élan de grâce, cet élan de miséricorde, que je te souhaite de passer une agréable journée dans la présence de notre Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.